Les conseils de Joe Larnac. Salut tout le monde, moi c'est Joe Larnac, t'as vu? Alors aujourd'hui, je vais vous présenter deux caisses. Alors voici le premier modèle, c'est la Skoda, c'est la première voiture à vapeur. Et voici le deuxième modèle, c'est la Porsche, c'est la première fusée sur roue. Alors c'est deux modèles complètement opposés que tout oppose. La Porsche, elle est belle, alors que la Skoda, elle est complètement dégueu. Alors, on va commencer par le premier. La petite poubelle ici présente. Je laisse la parole à mon ami Farco. Alors, comme vous pouvez le constater, les jantes sont en plastique. La carrosserie n'est pas jolie et les phares, c'est pareil, ça éclaire rien du tout. Le tableau de bord, il est en plastique. Les assises sont en tissu, c'est pas très pratique. Et très peu de personnes pour les personnes de grande taille. Remarquez-moi, j'ai pas de problème avec. 125 chevaux, 3 places assises et 216 km/h en vitesse de pointe. Autant dire que ça pose pas vite. Eh bien, merci Farcou pour cette présentation. Hein. Comme je dirais, une poubelle reste une poubelle. Alors maintenant, nous allons passer à notre reportage là, qui est fait avec un pilote professionnel. Les images tout de suite. Mais c'est quoi cette foutue voiture qui veut pas démarrer là? Mais pas foutu d'avoir une vraie voiture. Non, 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 démarre. Oui. Non, t'aimes pas. Non, t'aimes pas. T'aimes pas, t'aimes pas. Non, mais c'est pas possible ça, mais c'est pas possible ça. Vas-y, les flics arrivent. Ah, mais ça commence à m'énerver, ça commence à m'énerver là. Ça va pas le faire. Et vous allez avancer avec votre co là? Mais je veux bien avancer avec mon co, mais il démarre pas mon taco. Ah, vous avez qu'à pousser, appeler le garagiste, j'en sais rien moi. Je veux bien, mais mon garagiste est en vacances, que je voulais que je fasse. Mais il y en a marre des gens qui bloquent la route là à chaque fois avec la voiture. Bah oui, mais je fais rien. Il est censé me réparer la voiture, il est incapable de le faire. Je veux bien la pousser, mais je veux pas y arriver là tout seul là. Ah bah, je sais pas, démerdez-vous, il y a votre collègue là-bas, il peut peut-être vous aider non? Eh monsieur, monsieur, dites-moi, vous pourriez m'aider à pousser la voiture? Ah, moi je touche pas à ce tas de boue. Bah, on va tout de suite passer à la suite, hein. Le reportage sur la Porsche. Ah, mais qui c'est qui m'a engagé ce pilote de merde? Alors, pour la Porsche, la classe et le raffinement sont de rigueur. Jante sport et carrosserie aérodynamique. Tout est fait pour la vitesse. C'est une voiture faite pour avaler les kilomètres, un peu comme ma femme Farla. Intérieur de toute beauté, un tableau de bord au design simple, un volant ergonomique et une assise en cuir. C'est une pure merveille. Hein? Quoi? Comment ça je serais pas payé? Qui lui a dit? En tout cas, merci Farco pour la présentation de la Porsche. Alors on va tout de suite passer au reportage fait par notre deuxième Joe, pilote. Ne vous inquiétez pas, le premier pilote, Joe, on l'a viré, il était Joe, trop nul. Je vais te l'éliquer ton montage. Ah ben c'est bon, t'inquiète, tu seras payé, t'inquiète, tu seras payé.
m'arrive. Possible. Non, la police. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ah, je suis désolé. Oh bah alors, qu'est-ce qui vous arrive avec votre jolie voiture là? Ah, je me suis trompé entre l'embrayage, j'ai pas l'habitude, je viens juste de l'acheter. D'accord, entre l'embrayage et le frein, c'est ça? Oui, exactement. J'ai eu une mauvaise manipulation. Bah alors, je pense qu'elle démarre là, non? On va réessayer, allez-y. On va réessayer. Une jolie voiture en tout cas, hein. Joli modèle. Allez, appuyez. Okay. J'aurais pas dû appuyer un peu plus, ça. D'accord, bah je vais... Bah voilà. Jolie voiture, elle a fait un joli bruit, hein. Ah ouais, ça c'est la voiture. Bah voilà, la preuve en est, hein. La Skoda n'en vaut pas la peine, hein. Même les flics, ils vous respectent pas, hein. Alors que, bah voilà, avec la Porsche, tout le monde vous aime. Alors moi, je repars avec la Porsche. Ça, c'est la classe et le bon goût, tout comme moi. Joe, il est où, Joe? Joe, ma paye, elle est où, ma paye? Joe, ma paye, je veux ma paye. Eh ben allez, moi, je me casse, là. Il y en a marre de cette vidéo de merde. Ah, de bosser avec des incapables pareils qui ne pensent qu'au pognon. Je vais faire mon texte et on va voir combien de temps ça met et du coup tu feras blablabla. Fais-moi blablabla pendant 2 minutes. Ok, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Tu vas trop vite, tu vas beaucoup trop vite. Laisse tomber, on recommence. On est prêts. Ok, 3, 2, 1, go! Non, me fais pas ça. Démarre. Non, mais qu'est-ce qui m'a foutu ce garage sur cette voiture? Eh, vas-y, et la police qui s'en mêle. Non, mais c'est pas possible, ça. Non, mais je vais pas. Ça va pas le faire, Là. Ah, je peux pas avancer avec ma voiture. Ma voiture ne démarre plus. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais je m'en fous, vous poussez, moi. Vous avez fait garage. Et moi, je veux bien la pousser. Mais... Stop. Y'a la sirène. Merde. Attends, stop. Ça fait déjà. Ouais, mais non, on va la refaire. J'ai des coupures au milieu, c'est ça, de mon blablabla. Non. Juste que t'enlèves tes JVN sur la tête. Ah ouais, et tu couperas ça au montage, hein. Ah non, mais tu vas recommencer 2 minutes là. Il n'est pas fou, il monte dans la porte. Non, c'est pas la voiture que j'ai pas confiance, c'est le chauffeur à côté. Allez, vas-y, recule, parce que faut pas que je vois. Dominique, c'est Dominique Lapatte, hein. Qu'est-ce que c'est? Hein, c'est... Qu'est-ce que je te dis? Ah, mais là, c'est plus des voitures qu'il faut que je charge, c'est des tracteurs. Les vélos, tu sors les vélos. Sors la vache, mon dieu, sors la Francine. Ça fait mal longtemps que je vais pas grimper dessus, mon dieu. Alors, attends. La base, je joue un portugais, alors... Ah, oh, Dominique Lapatte en portugais. Non, tu vas pas me le faire par. 1, go! Ok, c'est mort, il a bougé! À refaire, j'ai merdé au niveau de la caméra. Mais c'est quoi ce cadreur là? Virez-le moi s'il vous plaît. Prêt. Vas-y. 1, 2, 3. Ah non. Non. Non, mais qu'est-ce qui m'a foutu ce garage? Je lui donne la voiture en réparation, mais pas capable de me la réparer, mais c'est pas. C'est moi.
Stop les gars, désolé, j'ai mon fils qui a parlé. Non, Geoffrey, faut te taire, faut pas faire de bruit. Je sais que c'est drôle, je sais que c'est marrant, mais faut pas rigoler. Les vélos, les marionnettes, les trompettistes, blablabla, blablabla. On va faire du vélo sur la place de du petit chaperon rouge avec Marcel et mon ami Kerry. Pour la vache. Oh là, qu'est-ce que tu fais là? Oh là, mais... qu'est-ce qui se passe, les gars? Bah, mais non, ça a niqué la scène! Il a niqué la scène! Mais c'est ton commandant, putain! Je viens de faire de rien, mais... Et si vous voulez voir d'autres vidéos et que Charco ait sa paye, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert et à vous abonner. Voilà.